Blambès et du vent offshore modéré ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps ensoleillé dégagé, une température extérieure à 18 degrés, une température de l'eau à 18 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à 11h35, coefficient de 69. Sur ce descendant, le vent est offshore nord-est à quasiment deux beaufort établis. Le plan d'eau est fripé, les phases de vagues sont lisses et puis on a cette houle qui est longue avec 10 secondes de période. Une houle orientée ouest-nord-ouest qui est multipique et sectionnée en atténuation par rapport à hier soir, avec un déferlement qui est régulier à la hauteur de 50-70 cm. Les séries qui rentrent fréquemment sont à 80 cm. Et il y a des séries plus espacées qui donnent un bon mètre, voire peut-être des fois un poil plus. Un peu étonnant là sur le descendant. Un bon mètre. Voilà, alors ça sectionne, c'est rapide, assez fermant. Mais il y a quand même des bouts qui passent. Les faces de vagues sont lisses, les épaules sont un petit peu molles. La houle est un peu agitée, la zone de déferlement n'est pas précise. Bon voilà, vous voyez une série là, une bonne série, un bon mètre. Que j'avais pas eu depuis ce matin, c'était un peu surprenant. Bon, au fur et à mesure que la marée descendra, va y avoir des vagues qui vont s'activer sur le large. C'est pas super calé, mais ça reste quand même un des meilleurs créneaux de la journée. Évolution pour le reste de la journée, un train d'houle en atténuation. Du vent qui va passer en brise thermique soutenue cet après-midi. La voie Arcachon est à la baisse avec 1,30 m et 5 secondes. On attend à 13h 80 cm l'ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord 3 à 4 Beaufort. Et à 17h 50 à 80 cm l'ouest-nord-ouest, 9 secondes de période. Vent de nord-nord-ouest et 4 Beaufort, des conditions qui vont se dégrader cet après-midi. Profitez de la session ce matin. Prochain point à 11h30. À tout à l'heure. Merci.